je vais vous présenter la solution à l'énigme du mur avec les quatre emplacements de pierres. Alors les pierres que vous allez devoir trouver, c'est des pierres lithographiques qui se trouvent à l'atelier de reliure dans le château. Donc je vais vous montrer les emplacements des pierres. Il y en a une qui est juste ici, voilà. Il y en a une autre qui est dans l'armoire juste derrière. Et il y en a une qui se trouve à l'entrée principale de la pièce, juste ici sur la droite. Donc quand vous avez ces trois pièces, ces trois pierres, vous allez devoir les placer sur le mur et vous allez devoir les associer au bon emplacement. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors on va commencer par la pierre du haut. On peut voir qu'il y a un bouclier rouge avec un carré rouge. Donc imaginons, je prends cette pierre, je la fais pivoter en appuyant sur R1. Je vois que j'ai un bouclier en losange rouge. Ça ne fonctionne pas. Le bouclier est bon, mais la forme n'est pas bon parce que c'est un losange. Donc ça ne va pas. Donc là, on va tout simplement retourner cette pierre-là. Et là, on peut voir que c'est un bouclier rouge avec un carré rouge. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va regarder pour le losange qui est juste en bas. Donc ça, c'est un losange bleu. Donc il nous faut une pierre avec un losange bleu. Donc ici, il y a un losange. Là, c'est carré. Bleu, ça ne va pas. Là, c'est un losange bleu. Donc c'est bon. On va prendre le losange bleu. On va le mettre en bas. Ensuite, on va mettre celle-là. Là, voilà, parfait. Et là, il nous faut un casque rouge. Donc là, c'est un bouclier rouge. Ça ne va pas. Ici, c'est un casque rouge. Hop, on la met là. Ensuite... là, à droite, on peut voir qu'il y a deux petits traits bleus. Donc, ça veut dire que la couleur doit être bleue. Et voilà. Quand vous aurez mis les quatre symboles avec les quatre bonnes formes, comme vous l'avez vu dans le gameplay, bah là, vous ouvrirez la porte et vous pourrez continuer votre histoire.